Yeah, who's this? Hi, my name's Danny. I'm the manager at the Tivoli Cinema in Morningwood. I figured I should reach out and say hello, seeing as you're like my new boss and all. Yeah, well, I was kind of hoping it would run itself. Oh yeah, you won't hear from me unless it's like a real emergency. I've gotta go. Come in sometime, catch a movie. Like, free of charge, of course. I mean, you own the place. Welcome to the cinema. No mobile phones. No talking or toddlers. And please, be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Now sit back and enjoy the show. Antoine, réveille-toi, réveille-toi! Pourquoi est-ce que tu dors? Comment peux-tu dormir? No estaba dormido, estaba durmiendo, pero despierto. Ta femme doit être remarquable. Ces rêves que tu as à la fois éveillé et endormi. Mais tu n'es qu'un simple voleur. La guerra me hizo una puta. Y a ti una ladrona. ¿O era al revés? Freud a beaucoup d'explications à donner. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde estás? Muéstrate. Antoine, ¿de quoi parles-tu? S'il te plaît, Antoine. S'il te plaît. ¿Esa voz? Tu parles de moi. Sí, tú. María, tú la escuchaste. ¿Quién era? Antoine, qu'est-ce qui te prend ces temps-ci? Depuis la mort de Luigi, tu n'es plus toi-même. Si tú lo dices, querida mía. Si te hace feliz, y así lo dices. J'ai marié un voleur, un bon, honnête voleur qui connaissait sa place dans la vie. Maintenant, je suis coincée avec un hermaphrodite. Une créature qui ne sait plus s'il est un homme ou une femme. Quel est le mensonge et quelle est la moitié de la vérité? Pourquoi les choses doivent être aussi simples mais continuellement compliquées avec toi, Antoine? Sí, María, contigo las cosas no son tan complicadas. El carnicero viene y abre las piernas. La policía viene a detenerme y abre las piernas. El cura viene para confesar. De nuevo, sabemos dónde acaba. Tu aimerais te placer en victime, Antoine. Mais dans cette vie, nous sommes uniquement les prisonniers des prisons que nous construisons nous-mêmes. Pour être une callejera et une esposa sin fe, tu as une forme de parler très ambigua. Elle ne t'a jamais aimé, Antonio. Qui nunca me amó? Ça, je ne sais pas. Je ne suis qu'une voix qui n'existe que dans ta tête. De quoi parles-tu, Antoine? Comme ta mère m'a dit, la misérable étendue de ta vie de rêve est un poids de plus sur la réalité prosaïque de notre réalité physique au jour le jour. María, 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 mi querida María, tu madre, perdóname, pero no me lo perdonaré si no confieso. Era una mujer horrible con un alma que robó del diablo. T'as pas honte, Antoine? Toi et les insuffisances de ton misérable subconscient primaire. Antonio, Antonio, réveille-toi, réveille-toi. Cállate. Eres solo una voz en mi cabeza. Déjame soñar en paz.
Est-ce que c'est à ça que tu veux réduire toutes les femmes, Antonio? Une analyse réductrice du féminin est un archétype classique de ta répression. Oh, por el amor de Dios, deja de sonar como mi esposa cuando no está pagando el alquiler por sí misma. Ta femme, est-ce qui je suis maintenant? Espero que no. Peut-être suis-je Luigi, après que tu l'aies traîtreusement castré. A-t-on déjà considéré ça? Lo hemos considerado fuera de cámara muchas veces. Consideramos el modernismo. Predijimos el posmodernismo. Adoptamos el surrealismo. Refutamos la visión tecnocrática del futuro de la humanidad. Tantas maravillas hemos adoptado que me asombro del sistema educativo italiano. Fui educado por curas y aún así conozco toda la blasfemia bajo el sol y flotando en el aire. Oh, Antonio, maintenant c'est toi qui parles comme ta femme. C'est peut-être ton désir le plus intime d'être martelé jour et nuit par des bouchers et des prêtres et des policiers. Sugiere que deseo acostarme con otro hombre, porque quiero hacer cosas, y me odio a mí mismo por mis tendencias...